attribue le grand prix, Zadrisi, le thé ou l'électricité de Jérôme Le Maire. Jérôme Le Maire était un homme heureux hier soir. Il a raflé deux prix, le grand prix Nezha Drissi avec une dotation de 2e et celui du public. Son documentaire raconte l'histoire de l'arrivée de l'électricité dans un village du Haut-Atlas marocain. C'est très émouvant d'être primé ici parce que c'est ici que j'avais présenté un précédent documentaire à l'ouverture du premier festival Fidadoc. Et d'autre part, bah, évidemment, c'est un hommage à ces villageois qui jusque-là étaient ignorés de tous. Et ben voilà, par deux prix, ils sont récompensés de leur courage, de leur bravoure et du fait que c'est des héros d'une histoire épique. Nous étions vraiment quasiment d'accord sur tout. Le grand prix a été donné à l'unanimité. Le prix du jury, on était d'accord. On aimait deux autres films, donc on leur a donné des mentions. Le prix du jury italien à un documentaire espagnol, Los Ulysses, et deux mentions spéciales ont été décernées. Une à un réalisateur tunisien, Abdallah Yahya, une autre à Stefano Savona qui s'est plongé au cœur de la révolution égyptienne. Le Fidadoc pour cette édition 2012 a de nouveau réussi son pari, réunir à Agadir des professionnels de tout horizon et le grand public, et tout cela toujours dans un esprit très festif.